Bonjour et bienvenue, nous repartons là-bas. Alors, on doit récupérer un navire. En construire un, j'en sais rien. Hey, mets des vêtements, Jésus. Alors, fais voir un peu. J'espère qu'on ne va pas devoir le payer. Un bien beau bateau, Télémenès. Cassandra! C'est vrai, il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Dis-moi son prix, il faut que je m'en aille de cette île. J'ai besoin d'un bateau, Télémenès. Tous ceux de Kefalonia veulent un bateau ou un passage. C'est un vrai trou à rails. Oh, ça je le sais. Et même si tu avais un bateau, qui ramerait? Toi? Je donnerais bien une de mes bourses pour voir ça. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide, ton expédition. Tu n'es pas très encourageant, Télémenès. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. Allez, voilà. Voilà qui ne m'aide pas. Malaka. Ça ne m'arrange pas, ça. Encore, Malaka? Ce monstre tient Kefalonia depuis trop longtemps. Je pensais que si quelqu'un pouvait nous débarrasser de lui, ce serait toi. Télémenès, quel est le rapport avec le fait que je cherche un bateau? Tout ce que je dis, c'est que le navire du Cyclope est au mouillage dans la baie de Kleptus. Ah! Son navire, tu dis. Il va falloir que je fasse un tour à Kleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une goutte. Ouh! Ben voilà, on va en finir avec le cyclope à la con. Je vais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope. Marche. Merde, chaque fois il faut le maintenir, je le fais jamais. Alors... S'occuper du cyclope pour trouver un navire. Le cyclope est revenu à Kefalonia. Selon les rumeurs, il aurait mouillé le centre de la baie de Kleptus. Trouvez-le dans la baie de Kleptus. J'ai du mal avec les noms. C'est pas les bateaux qu'on avait déjà vus. Épave. Îlot de Zeus. Ah oui, du coup, l'îlot de Zeus, c'est ça. Okay. La baie de Kleptus, c'est ça. Donc, il faut aller là-bas. On peut se téléporter ici pour aller rapide. Ah, on va éviter pour le moment. On va éviter les téléportations, j'ai pas trop envie de... J'ai envie de prendre mon temps et tout ça. Si on fait mission après mission après mission après mission, ça risque d'être un peu relou. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... C'est y aller par bateau. On fait genre le pêcheur. Ah! Stratégie, stratégie. On fait genre... Oh, bonjour, on vient vendre du poisson. On peut monter à bord. Non, c'est, je vais pas dire ça parce que ça fait court, mais on va peut-être passer par l'eau. Ah, il paraît que celui-là, il est pas mal aussi niveau bateau. Genre, c'est pas aussi bien que avec les pirates, c'est quoi, Black Flag, je crois. Je ne peux pas aller en haute mer avec ce bateau. Mais celui-là est pas mal. Par contre, je crois qu'il y a un truc à récupérer. Quand j'avais testé là, le jeu là, pendant 2-3 heures, je crois qu'il y avait un objet là. Genre un oricalque, un truc comme ça. Genre un caillou bleu ou violet ou je sais pas quoi. On va voir un peu. Non, strictement rien. Oh ma fuck. Oh. Y'a pas... Y'a pas un machin qui s'est noyé parce qu'il y en avait un qui était dans l'eau. Et j'ai eu un boost d'adrénaline, je crois. Ah, c'est ce bateau-là.
un peu. Est-ce qu'ils sont ok ou alors ils sont tous au bateau? Je dirais qu'ils sont tous au bateau. Le cyclope. On va pouvoir s'expliquer. Ah, j'ai rien dit. Barnabas, soldat léger. Ça marche. Et ça, c'est ton bateau, du coup. Axis, l'axi. Marchand, butin. Quoi? Ah, excuse-moi, genre, t'es sûrement en train de tabasser un mec, mais je veux aller voir comment ça se passe. Si je continue à m'éloigner de la terre, je vais chavirer. Bon, d'accord, on verra ça après. Non, on verra ça après. Ça marche. En plus, on connaît bien ici. On a tué plein de gens déjà. Oh. Oh, que les dieux m'en soient témoins, je le jure. Lesquels de dieux? Quelle différence ça peut faire? Tous les dieux, je le jure, laisse-moi! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux! Lâche-le! Oh merde. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot! Il a dit Cyclope? Il t'a fait de la peine? Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça! Je ne l'ai pas. Non. Pourtant, tu es tellement gros. Enfin, grand. Et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil. Oh. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler. Alors maintenant, rends-le-moi. Quoi? Tu le veux? Non, non. Va le chercher. What? Bon, on va se faire défoncer, mais là tu la vénères. Très bien. Attends, ah mais là c'est un archer, c'est pour ça, ok. Ok, mal géré. Arrête de courir! Ah, on peut peut-être le faire tomber. Et des flèches empoisonnées là. Ça tue. On perd de la vie en fait petit à petit. Oh. Là c'est un enchaînement rouge, on est d'accord. Ah.
Ouais, l'enchaînement qu'on fait là, c'est pas mal hein, ce qu'on fait. C'est vraiment pas mal. Genre de faire tomber le coup de pied dans l'eau et tout, ça c'est top. C'est pour ça que je l'ai fait venir combattre à côté de l'eau, hein, parce que je savais très bien qu'on pouvait faire, ça. Et par contre, je savais pas que ça allait lui faire des dégâts comme ça. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce tir-là, là, le fait de repousser les gens et après d'enchaîner avec ça, c'est vraiment cool. Très bien. Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kefalonia. Heureusement que tu es de mon côté. Ils ont l'air d'avoir peur de toi. Ok. Ah, le marchand, c'est peut-être lui. C'est son bateau, je pense, peut-être. J'en sais rien. Où est-ce qu'on va, mec? Où est-ce qu'on va? Oh, le mec. Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, je n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. Eh bien, Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Cassandra. Je suis Miss Pius. Oh, je suis sûr que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là. Simple coïncidence. Donc Kefalonia a entendu tes prières. J'étais plus près que les autres, c'est tout. Et tu te bats comme Achille, avec l'aigle de Zeus qui tournoie autour de toi. C'est pas Odin qui a un aigle qui le suit toujours, ou je sais pas trop quoi. Parlons de ton aigle. Alors comme ça, tu as un navire. Bah je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il? Grâce à toi, il est toujours au port de Samy, où je l'ai laissé. Je crois que tu me dois un service. Puisque j'ai sauvé ton navire et ta vie, je crois que tu me dois un service. Tu n'es pas Mystios pour rien. Tu sais qui tu me rappelles? Moi. Enfin, il y a longtemps, bien sûr, avant que je ne trouve mon vrai but et que je perde un œil. Ne change pas de sujet. Ah oui. Oui, excuse-moi. Tu as raison, je te dois la vie. Que peut faire l'humble Barnabas pour la puissante Cassandra? J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Évidemment. Alors, c'est oui? Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas d'ici. Grand Dieu, non. Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Ça va, c'était simple. C'est quand même méga simple. Hein. Massacrer l'autre. Avec sa grosse massue à la con. La grosse massue elle est là. Des gars guerriers, des gars critiques. Oh pardon. On a récupéré des gants. Là. 8. Ça marche. Il nous a touché avec sa massue ou pas? Je crois que oui. Hein. On n'a pas trop pris cher, encore une fois. Donc ça va. Je dois rester hors de vue. Arrête de dire ça, il n'y a personne. Tout le monde est mort. Deux fois. Parti, oui.
Hop, 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 tourne, tourne, tourne. Oula. Ouais. Un peu trop près des rivages. Ma faute. Ce bateau ne résistera pas à ces vagues. C'est vraiment sympa. Je commence à vraiment... Ouh la vache. Bien kiffer le gameplay. What the fuck? Ça va! J'étais pas en... En haute mer! Bon, dépêche parce que... Hein? Il y a des trucs là-bas. Ça va, encore heureux qu'on n'était pas très loin. J'en sais pas qu'on pouvait faire ça. Ceux ils disent oui, bon, ça peut casser et tout, mais en fait, non, c'est parce que ça s'abîme au fur et à mesure si on va trop vite avec les vagues et tout. Sympa. Ah oui, on est dans une zone interdite. Allez, hu! Data. Ah oui, un truc que je voudrais faire une fois qu'on sera en ville, c'est regarder si on peut pas enlever un peu plus du HUD encore. Genre des messages où on en a rien à faire. Allez. Genre, je regrette pas déjà d'avoir enlevé le même l'indicateur de tir de flèche et tout ça. Ça rend le truc un peu plus difficile, je suis d'accord, mais... au moins, c'est mieux. On pourrait enlever la célébration. C'est quoi la célébration? Je sais pas ce que c'est. Ça, par contre, ça, c'est embêtant. Parce que dans Phoenix, c'était vachement bien fait. Parce qu'à chaque fois, ils vous montraient, en fait, vous aviez l'écran avec le HUD. Et à chaque fois que vous décochiez un truc ou cochiez un truc, ça vous montre ce que ça vous enlève. Bon, le butin c'est important, le jeu de c'est important, niveau expérience. Ça on s'en fout à la limite. Comme ça, parce qu'en haut à droite on a écrit 7 je crois, pour dire notre niveau. Tu vois. Voilà, du coup on l'a plus sur l'écran, parce que ça sert strictement à rien de savoir notre niveau. Est-ce qu'on peut encore retirer la boussole? La boussole c'est quand même vachement utile. Pour savoir où aller. Jauge des primes. Jauge des primes, à la limite, ça aussi sert pas à grand chose. Proximité d'ennemis, oui. Santé et niveau des ennemis, oui. Version attaque, non. Astuce et message, non. Défi de gravure, non. Widget aptitude navire, ça on va le garder pour le moment. Verrouillage de cible, oui. Info de détection. Oui. Enfin, oui et non. Ça rend le jeu un peu simple, mais j'aime. Non, ça va pour le moment. Santé du joueur, oui. Ou des armes, flèches. Célébration. Je sais pas ce que c'est la célébration. Je sais pas du tout ce que c'est la célébration. La musique qui s'excite là. Quand tu veux, capitaine. Attends. Attends-moi, Cassandra. J'ai préparé mes affaires. On va te mettre dans la cale. Si tu t'en vas, je m'en vais. T'es trop jeune. Foibé, tu es trop jeune. Je ne pourrai pas veiller sur toi tout le temps. Oh, je sais me débrouiller. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Même si c'était vrai, tu restes trop jeune. Je me ferai toute petite. Allez.
Non, mais tu vas faire un navire avec que des mecs et si elle. Si tu ne veux pas de moi, emmène Kara. Kara? C'est mon aigle. Et mon amie. C'est Mère qui me l'a donnée. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Oh. Merci, Fouibé. Mais j'en ai déjà un d'aigle. Casse-toi. Et puis, ah, j'aurai Kina avec qui jouer, puisque tu l'as sauvée. Ménage-la. C'est vrai. La fièvre risque de l'avoir affaiblie. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Kina, c'est la petite fille, je crois, de la famille malade. On se reverra, j'espère qu'on se reverra. Je ne reviendrai pas à Cephalonia. Non, si, on reviendra, t'inquiète. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, tâche d'éviter les ennuis. Oui, ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller. L'espoir fait vivre. Hé, hey, Cassandra! Tu quittes Cephalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien, tu es là, alors ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble, comment te remplacer? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. Il est marrant, lui. Allez. D'accord, approche. Allez, vite à vie. Oh, tu vas me manquer, Cassandra. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, cher Foibé. Non mais le mec, une aventure? Il recrute que les enfants ou quoi? Elle qu'est-ce que... marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, ma chère? C'est bizarre, mec. Hein. Je sais pas ce que t'as fait à Cassandra, mais je fais pas la même chose à elle. Hein. Prêt à prendre le large? Oui, on a tout fait honnêtement sur l'île. On a vu tous les lieux à voir. On n'a plus de quête, donc ouais. Prépare ton navire. Il est temps de partir. Il y a un truc qui me dérange avec l'armure. Il ne faut jamais faire attendre la mer. Je vais le dire. Allons-y. Après. Ok. L'armure, ça bouge trop. Genre, on dirait du tissu en fait. Les parties solides, genre les épaulettes et tout ça, on dirait du tissu. Alors, où est-ce qu'on va? Ça se déforme et tout. De ce ça, c'est bête. Et splendide monde veut aller la puissante Cassandra. Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Mais le dis pas! T'es con? On l'appelle le loup. Le loup? Comment tu sais qu'on l'appelle le loup? On veut tuer Nicolaos de Sparte. Nicolaos de Sparte? Ah. L'oracle a parlé! Pour éviter la chute de Sparte! Cet enfant! Dois périr. Tu dois empêcher ça. C'est débile pitié. Quand même. Il ne fera aucun mal. Il nous aidera. Il nous guidera. Silence. Les Spartiates aussi, ils sont un peu cons, hein, avec leur dieu. Père! Nicolas!
Regarde-moi, Nikolaos. Non. Ne lui fais pas de mal. Oh. Ta lignée est souillée. Débarrasse-toi de ce poison. Père. Bon bah ça va rendre notre vengeance facile. On va tuer tous les Spartiates et tout ça, y'a pas de problème. Emmène-moi en Mégaris. Vite. Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Helios, pourquoi risquer notre peau là-bas? Le loup de Sparte est mon père. Ah! Phoenix fait pareil, genre au bout de 2 heures de jeu, il y a le titre, ça tue. Ça s'inscrit, l'Odyssée. C'est trop bien. Bon, bah ça va, c'est bien. Déjà, la voix qui a flanché. On va tous les massacrer. Rien ne vaut une bonne brise. C'est ça. On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça. Ça rend les choses faciles comme ça. Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin. Ah! Oh. Et qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle. Pendant que le Cyclope s'occupait de moi, ces pirates ont volé ma cargaison. Mais maintenant, je connais leur navire et je sais où ils vont. On va leur reprendre tout ça? D'accord. Ce sera l'occasion de savoir ce que valent ton navire et ton équipage. Je pensais Allez, que... mettons-nous en route. Genre, s'envoyer en l'air, c'était Voyons. Un moyen, mais... Les voiles ont tenu. Alors, comment ça marche? Voir un peu le bateau. Là, on a interagir. Voir un peu le bateau. Ah, on a un tableau ici. Cool. Accepté. Oh, ça, c'est quoi? On a un jour. Prime sur navire marchand. Quel accord a pu passer le marchand pour... Oh, cool. On a des... Ah, mais c'est des quêtes un peu comme à la Phoenix, en fait. Pareil. Oh. Par contre, je suis en train de me dire que le mec, quand même, il s'est mis à nos ordres. Il s'est mis sous nos ordres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a quand même 11 personnes avec lui. Genre les mecs. Bon, maintenant, on fait. Il y a une Spartiate. C'est notre nouveau boss et on fait ce qu'elle dit. D'accord. Genre tous les mecs, ils ont dit ok, ça marche, il n'y a pas de problème, on y va. C'est un peu étrange quand même. Un tout petit peu étrange. Ah, mercenaire. Ah mais non, mercenaire, ça c'est... Les mecs qui nous attaquent. Attends, on découvre. Cassandra, la porteuse d'aigle. Ça, c'est les mecs après. Pourquoi on voit plus notre... Le mec qu'on avait tué, le premier. C'est pas grave, on s'en fout. Par contre, la quête, donc on a quoi? Détruire le navire et récupérer la cargaison. Je pense qu'on va faire ça. Ça va nous faire votre Odyssée. C'est quoi ça? La chasse au glou. Leptenor a fait proposition trop belle pour être vraie. En échange d'une belle somme, empêcher les loups de Sparte de vaincre les Athéniens et les Mégaris. En revanche, il n'a pas précisé ses raisons. D'accord. Cool. Alors, muscle puissant, 2 jours. Tuer des brutes spartiates, tuer des stratégoïs spartiates. Prime sur navire marchand, éliminer navire marchand, 0 sur 5. On a plein de trucs, ouais. Le monde s'est ouvert, quoi, en fait. On va rentrer les mercenaires, j'ai pas trop compris. Avantage détaillé, et échelon de mercenaires. Tasticlos le fou. Alors, séparé dans sa petite enfance, son demi-frère Testiclès, Testiclos en garda une grande instabilité mentale.
Il ne s'était senti en sécurité que près de lui et compensa la souffrance de la séparation pardon, en cassant des objets, voire les os de ceux qui lui déplaisent. Alors qu'est-ce qu'il y a ? La rage, l'approche de la mort active un état de rage. Cogneur, réduction des dégâts dus au corps à corps. Ok, donc lui on le prend à distance. Intéressant. Merde. Ça marche. Donc il est après nous, lui, le mec. Allez, on va voir comment ça fonctionne. Alors, pour augmenter l'allure ou pour réduire l'allure. Ça marche. Préparez vos arcs ! Ah, ok, comme ça. Et après, ça, c'est les lances. Allez, les lances ! Pardon. Attends, faut que je regarde la carte. Alors, ok. Apprentissage. Marche, let's go. Forcez l'allure ! Ah, ça tue. Des choses à remonter près d'ici. Récupérer. Ah ouais, d'accord, on passe à côté, ça marche quoi. Vas-y, on peut défoncer les. Préparez-vous. Attaquez. On a défoncé le machin. Ça tue. Nous allons aussi vite qu'il est possible. Oh, les vagues, elles sont gigantesques quoi, par contre. On devrait récupérer ce qui plante. Ça marche. Allez. Vitesse, c'est trop dingue. On ne peut pas aller plus vite. C'est quoi la différence entre les archers et les lanciers du coup ? Archers, ils peuvent tirer plus loin. Lanciers, non ? Ah, lancier, c'est pour faire des dégâts au bateau. Putain, il va tirer dessus. Préparez-vous à tirer. Pour éperonner. Objet de quête, ça marche. J'ai perdu plusieurs ponts marins lors du combat contre ces pirates. Les mers sont plus dangereuses. Maintenant, Qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer ? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes me faciliteront les choses. Donc si j'ai bien compris, il faut que je l'assomme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. C'est quand même plus facile avec les ballons fulton. Hein. Oh mon dieu, c'est qui ça ? Bonjour. Okay. On va peut-être pas les toucher. Eux. À l'attaque ! Et vos merdes ! J'ai besoin d'archer ! Putain, ils vont nous défoncer. Oh, il y en a deux. Vous serez prêts.
veut dire quoi? Attends, il y en a un deuxième. Putain, la distance. Oh, 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 trop loin. Ah, con. Hein. Oh mon dieu, ils font mal. Ouais, non, par contre... Ah, mais ça va, ça rousse. La vie revient pas en fait. Archer, en position. Maintenant. Oh, oui, on va les défoncer. Vite. Allez, ciao. Ah, c'est assez violent, hein. Je vois quelque chose à remonter. Ceinture de voyageur. Ah, comment on répare? Allure de croisière. Ah, c'est sympa. Ah ouais, là on est en combat en fait, ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ah, c'est sympa ce système, j'aime bien. C'est très simple encore une fois, c'est très simpliste, mais ça marche bien. Donc on a du 7, assassin, guerrier. Oui, du coup on prend, on met... Ah, navire, voilà. Putain, c'est bon, là on a du truc. La Drestia, modèle de navire. L'aigle était un présage de chance pour ce qu'il abordait. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des trucs. On a des trucs quoi. On va voir un peu. Phénicien. Tyrénien. Babylonien. Phénicien, c'est qui? La qualité d'un phénicien était. Renommé, on connaissait facilement leur navire dans toute la mer. Égée. Ouais, pourquoi pas. Là, un peu l'aigle. C'est surtout la voile qui change, on sait pas grand chose. Ouais, on peut garder celui-là de base, honnêtement. Alors, lieutenant spéciaux. Aya, Bayek, Evie. Je sais pas ce que c'est. C'est sûrement des gens importants. Dans l'histoire. Dégâts des javelots, javelots incendiaires. On a des javelots incendiaires? Je sais pas, je pense pas. Dégâts si intégrité faible. Récupération d'énergie des rameurs après navire ennemi brisé. Récupération d'intégrité des navires après abordage. Santé de tous les lieutenants et blindage. C'est pas mal ça. Équipage de Barnabas. Ah, on a d'équipage. Spécial. Membre de bande. C'est quoi ces trucs? Assassin féminin, masculin, Medjé, force égyptienne d'élite. On a quoi? Les affranchis. Vas-y, on met des assassins. Des assassines. On met des assassines. Là, on a ça. On a quoi? Aucune figure à pro. Putain, ça pète ces trucs-là. Honnêtement, c'est vachement cool. Alors, le bras zéro amélioré. Maintenez LT et RB pour tirer des flèches enflammées. Appuyez sur R pour lancer les javelots enflammés. Ah. Lancer de javelot tir. De deux lancers de javelot successifs. En ce moment, temps de rechargement. Deux volets de flèches. Mais on l'a pas. Je crois.
parce qu'il n'y a pas, y a même pas un point. C'est pour ça qu'on peut pas tirer de flèches de feu et tout ça. Pour augmenter les javelots, on peut éperon. Point plus robuste, inflige davantage de dégâts et crée plus rapidement des points faibles à l'heure élevée. Ah oui, j'ai remarqué qu'il y avait des parties du bateau en fait qui clignotaient. Je pense qu'on peut faire des trous et des trucs comme ça peut-être. Parce qu'on n'a pas fait d'abordage encore, je sais pas comment ça marche. Faudrait qu'on récupère de la vie et qu'on teste. Améliorer l'aspect des flèches. La coque, améliorer la coque. Intégrité, blindage. Deux lieutenants peuvent être recrutés. Il faut plein de bois, c'est ouf. Énergie des rameurs pour le boost. Protection de l'équipage. Pour se protéger. LB. D'accord. Pour se protéger du coup des flèches, j'imagine surtout. Alors, trouver et recruter le meilleur archer du campement. Ok, ça marche. Par contre, il y a ça. Genre, éliminer les navires marchands. Comment tu les trouves, les navires marchands? Tu peux voir un peu comment ça marche. Alors. Attention, attention! Ah ouais, comme ça, d'accord. Hop. Putain, il va falloir que j'apprenne tout ça. Voilà, j'aime pas les flèches de feu. C'est les lances. Par contre, les lanciers en fait tirent automatiquement. Ah, elles ont des musiques différentes, je pense, par rapport à l'équipage. Ouais, je pense que c'est lié à la musique, en fait, tout simplement. L'équipage, ça c'est cool. Par contre, on va où? C'est quoi ça? Une name story créée par ce Evil Bro. Ah oui, alors j'ai rajouté ça. Parce qu'apparemment, on a un éditeur de mission, mais je sais pas si c'est des choses bien. Honnêtement. On pourrait en tester une, j'ai envie de dire. Et sinon, on les désactive. On pourrait voir ce que ça fait. Ce sont les gens qui ont fait des missions. Je vais d'abord sauvegarder avant, parce que je sais pas comment ça marche. S'il faut, on peut... S'il faut, nous a mis genre une récompense de fou et après on est overpower ou des conneries comme ça. Je sais pas comment ça marche. Repliez la voile ! Repliez ! Mais non, on a pas besoin de ça en fait. Là on est vitesse max tout le temps, je crois. Des choses à récupérer, tout prêt ! Ah, comment on accoste du coup? Parce qu'on n'a pas de barque. Je vois pas de barque. Un peu embêtant. Il faut à chaque fois un port. Remontez-moi cette voile! Le machin. Comment on... Non. Comment on quitte? Réduisez la vitesse. Je laisse pour reculer. Comment on... Allez, plus vite. Ralentissez. Comment? Plus vite. Ah, quitter. Ok. Putain. Bon, on devrait aller s'amuser en bateau, mais je suis curieux des quêtes que les gens ont créées, en fait. Donc on va voir ça. On va même faire une belle sauvegarde, parce que j'ai un peu peur. Parce qu'il y a écrit... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je crois qu'il faut que j'aille à l'écran titre. Où ils nous disent que c'est des quêtes que les gens font. Et du coup, Ubisoft ne tient pas responsable du niveau de la quête, en fait. Enfin, du type de quête. Ça peut être, je sais pas, des trucs n'importe quoi, en fait.
Donc on va voir. Après, bon, j'imagine que si ça s'affiche quand même, ça doit pas être de la merde. Faut pas exagérer, quoi. Alors, sauvage, action difficile. Durée moyenne, 10 minutes. Nombre de fois joué, 610. Minimum sur les débits de 10 minutes. On peut voir un peu. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le jeu. Le jeu, l'histoire principale, l'histoire secondaire, rien du tout. C'est vraiment des gens, en fait, qui ont créé des quêtes. On va voir ça. Ah, le Story Creator Mode, c'est ça. Nouvelle quête, Kill 12. Kill 0 sur 12. Mais j'ai un peu peur en fait du type de... Genre combien de récompenses on peut avoir. Attends, il y a 3000 personnes là ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, non, ça, non, on va pas faire ça. Je sais pas, je crois que c'est juste pour tuer des mecs, en fait, des PNJ de l'île. Je sais pas. Ouais, on s'en fout. Ça m'intéresse pas. Allez, allez. J'ai pas vu qu'il y avait un pendu. Requins partout. Oh, c'est quoi ce machin énorme à droite? M'aidez pas surtout les mecs. Ouais, pousse-toi. Allez, go. Sans déconner, vous êtes con ou quoi? En avant! Vitesse maximale! On n'arrive pas à défoncer un putain de poisson, quoi. Alors moi, c'est la taille du machin, quoi. Des bateaux. On peut défoncer ça. Pourquoi il y en a plein? Pourquoi ils sont tous ensemble là? C'est relou. Mais après, oh la vache, tout ce qu'il y a, mais vous déconnez là ou quoi? La mer est calme et le vent est chaud. C'est splendide. Oui, ma belle. Tu peux le dire. Ils vont voir de quoi nous sommes capables. Ah, vos flèches! Une commande!
Préparez-vous à tirer. On reste à hors de portée. Vélo, vite! Attention, il y a le feu à bord. Archer, en position. D'accord, bien joué. Préparez les lances. Vite. Oh, on peut déclencher l'abordage. Ok, let's go. Ah, ça tue. Mon dieu. Ah, ils ont l'air vénères. Si fait, touche pas à ma meuf. Oh, mais c'est une bonne. Ah, ça c'est marrant, ce système, j'aime bien. Ouh. Ah, il y a deux coffres. Ok, on va peut-être partir. Bien joué. Ah, ça tue ce système. J'aime bien. C'est marrant. C'est simple en plus. C'est super simple. Et entreposer. C'est méga simple en plus à jouer. Ah merde, attends, j'ai enlevé un truc que j'avais équipé, je crois. Non. Je peux enlever ? Non, je peux pas. Okay. Si j'ai équipé, je peux pas. Ce qui est logique encore. On a récupéré un nouvel équipement niveau 7. 4% d'assassin. Mais ouais, pas mal d'armure. Ah, c'est vraiment cool. Alors comment on combat du coup? Enfin, quelle est la meilleure façon de combattre? Genre quand on est proche, on fait du javelin. De loin, on fait des flèches. On essaye d'esquiver leur volet de flèches. Pourquoi c'est en rouge? Pourquoi il y a un crâne? Allons-y. Ok. Crâne. Ok, ça fait peur. On va peut-être pas se les faire. Ça va, il nous a lâché, je pense. C'est stylé, c'est bien fait. C'est bon. Ah, il me fait peur, lui, qui est derrière. Il va peut-être se casser.
Bon, faut que je retourne sur la carte. C'est embêtant de chaque fois tout le temps d'aller dans la carte par contre. Voir ça. Dégâts assassins, on perd sur tous les dégâts, mais on gagne en défense. Je vais être honnête, on va faire ça parce que la défense commence à pêcher pour les bots. Bon, ça on verra après. On va faire ça, trouver et recruter le meilleur des archers. Du coup, tu veux que... Ah, il y a un truc là. Sortez les rames ! Non, pas, non, non, j'ai rien. C'était une blague, c'était une blague. Est-ce qu'on peut attaquer depuis le bateau des gens qui sont sur la rive ? Vous êtes niveau combien les gros là? 42? Ils ont des habilités en plus. Ah mais attends, il y a un mec qui a une habilité de bateau je crois. Genre il faudrait l'attraper, c'est ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Pas l'impression que ça fasse quelque chose. Plus de vitesse. Ouais. Bof, ouais, j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Gardez cette vitesse ! Abaissez-moi cette voile ! Ah, elle a pas mal à la gorge. Allez, on va s'approcher de ces débris. C'est quoi ça comme bateau ? Ah, je vais devoir les apprendre aussi. C'est quoi, c'est un bateau? C'est un bateau de pêche? Méchant? Crabe? Désolé. Vous êtes prêt pour un méchant? Je crois qu'on peut juste les aborder, non, ceux-là? Allez, plus vite! Allez, pleine vitesse! Capitaine, vite la navire de commerce! Et alors? Ce n'est pas un navire de guerre! Écartons-nous! Ah! Pardon! On a fait des putains de trous! Excusez-nous! Enfin, attends, j'ai envie de dire ça, mais je veux bien être gentil 5 minutes, mais il y a une quête quand même qui me dit de tuer des marchands. Ah bon, à la fin, voilà. Désolé. Ah, ça tue. Ah, on est des pirates, quoi. En avant. Salut. Approchez-vous, allez. Attaquez. Ce sont des civils. Il n'y a pas de prime sur leur tête. Ce sont des civils. Ah. Bon, ça va alors.
Si c'est que des civils, ça va. Si c'est des marchands... Désolé, il m'en manque 3. Faut le dire vite, hein. Il m'en manque 3. On est prêt. On a deux, putain. Mais attends, il y en a d'autres là. Ah, c'était peut-être con ce que je viens de dire. Je viens de faire. On y arrive, c'est pas grave. Casse-toi. Oh. Oh, il m'a défoncé la gueule. Et les mecs, je suis tout seul. Tu tiens toujours debout. Ah, bien joué. L'intégrité du navire reconstitué, ça c'est cool. Et à ma gueule, vas-y, on y va. On se pousse, on se pousse, on se pousse. C'est bien, ils nous ont attendus. Ah, c'est violent. En flèche, hein. Let's go. À ramasser ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y ait des Charlie. Recruter? Attends. Non, c'est pas ça que je veux faire. Attends. Attends, lâche-le. Lâche-le. Elle. Ah putain. J'ai pas réussi. Ah, c'est bête, hein. C'est bête, hein. Comme je disais, c'est quand même plus facile avec des ballons Fulton. Hein. Non, pardon. Ça, c'est quoi, ça, marchand ou... civil. C'est civil ça, je crois. Désolé, je m'amuse. J'espère que j'ai le droit. Marrant. Marrant ce système de combat de navire.
Les oranges, c'est marchand. Les bleus, les blancs jaunes, c'est civil. Les noirs, c'est des méchants. Vraiment pas fait beaucoup de dégâts, parce qu'il est normal. Allez, capitaine, il se dirige pas sur nous. Allez, plus vite. Wouh, vous êtes tenté, ce vent. Envoyez volant. Arc, prêt, tirez sur eux. Augmentez la vitesse. Et on défonce. Allez. Tiens. Oh, on l'a coupé en deux, le machin. On l'a coupé en deux. C'était assez violent. Dans l'eau, il y a des débris. Gantelet d'Arès. Ça m'embête à chaque fois d'aller dans le menu, quoi. Ouh. Résistance à distance, c'est pas mal ça. Bon, dégâts critiques, oui, mais bon, ouais, t'as vu l'armure qu'on se gagne. Parce que bon, se faire one shot, c'est pas le kiff. C'est vraiment pas le kiff de se faire one shot. Alors, je vais voir, faut que je me remette sur la quête, sur ça. Ah oui, il faut que je décible ça. Là. Alors, gestion des primes. Un commanditaire a placé une prime sur vous en raison de vos actes illicites, meurtres d'habitants ou de soldats, vols, attaques de navires de guerre. Pour faire disparaître la prime, utilisez l'action payer toutes les primes sur la carte. Payez chaque commanditaire sur la carte. Tuez les commanditaires dans l'univers. Restez discret jusqu'à son expiration. Okay. On est vraiment recherché ? On est recherché maintenant. On est recherché. Désolé. On peut voir sur la carte. C'est où payer. Placer un marqueur. Ah ouais, on est à payer toutes les primes. 48. On est à 1. Gouvernement athénien, dirigeant non découvert, fortifié. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord. Je sais pas ce que c'est tout ça. Ok, on n'a qu'à continuer à avancer, je pense. Donc, par contre, il y a eux là, vous pouvez les foncer là. Au sud des terres sacrées d'Apollon, l'épave est échouée sur les grèves de cette île, campement sur l'île de Phokis. Voilà. C'est vous les civils. Ils attaquent les civils. Putain, ça pète! Non, on récupère un peu de vie et tout quand on déclenche l'abordage. Oh, doucement, doucement. Okay, on y va. On y va où il n'y a pas trop de monde.
trois mecs. Ciao. C'est bien ce coup de pied, hein. Ça résout plein de problèmes. Ça résout plein de problèmes. Ce coup de pied, c'est magnifique. Voilà, magnifique. Très bien. À chaque fois, on récupère des trucs, quoi. Bon, après, c'était pas des trucs super. On a des dagues, c'est de gris. Par contre, oui, niveau de dégâts, oui, ce serait pas mal. 4% de l'année, avec critique. J'ai envie de dire, les gars, assassins, on perd 1%, c'est tout. Là, on fera un peu plus mal. Puis en plus, c'est des dagues, j'avais envie de tester dagues. Bon, allez, on se casse. Ah, c'est pas l'île dont il parlait. Il disait qu'il y a une épave. Le campement est sur l'île en Phokis. Elle est au sud des terres sacrées d'Apollon. Une épave a échoué sur les grèves de cette île. Bah, complètement par hasard, quoi. Réduisez l'allure! On attend ton retour, capitaine! On marche. Ça m'a l'air d'être là, hein. La description est bonne, hein. T'es morte? Ouais. Dites au revoir à votre copine, elle est morte. Ça sert plus à rien. Alors après, il y a un système d'assommer les gens. Je crois que c'est pour les recruter. Là, j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Genre, c'est de maintenir le joystick L, enfin le gauche. Faut que je vois comment ça fonctionne. Campement est survenu en focus. Bah c'est là. Ding ding. Il n'y a pas de campement en fait. Il y a juste un... Non, c'est peut-être pas là en fait. Ça y ressemble en tout cas. Enfin la description. Au moins il faut attendre que le mec arrive. Ah attends, attends. Peut-être à l'intérieur en fait. Je sais qu'on peut faire passer le temps aussi. Non, y a rien du tout. Y a rien du tout. Déplacement rapide. Oh, déplacement rapide au navire. Cool. J'aurais bien voulu que ça soit là. Oh, mais c'est méga grand en fait, ça tue. Payer les primes, 12. Ah, ça a baissé, ouais. Ok, cool. Bon, toi tu disais en Phokis. Ouais. Campement sur une île en Phokis, c'est sur le sud des terres sacrées. C'est quoi les terres sacrées? Est-ce que c'est un... Ok, colline de la guerre sacrée. Ok, donc ça, celle-là peut-être. Focus. Île de... Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Okay. Nous, on est vraiment sur une toute petite, en fait.
C'est assez drôle de... d'être tombé comme ça par hasard. Bon, par contre, faudrait... investir dans une barque. Parce qu'à chaque fois, faire ça à la nage, c'est un peu risqué quand même. Hein. Un requin, c'est vite arrivé. Hein. Je dis ça, j'y dis rien. Hein, vous en foutez? Okay. Vous allez voir quand si je meurs. Vous avez plus de boulot. Cool. C'est parti. Le capitaine prend la barre. Yeah. Allez. Essayez la voile. Alors, on a possiblement trouvé l'île. Elle est là-bas. Là. Quelque chose flotte là-bas. On peut le remonter. Vous pouvez pas fermer un peu vos bouches Ah, bref. Après, on peut changer l'équipage. Pour changer la musique, tu vois, un peu. Navire. Alors... je vais voir les membres de Bantem d'équipage. Pour certains, la vie est dure et n'offre guère d'espoir, mais il faut les meilleurs compagnons au combat. Je vais voir un peu. Aux avirons ! Et sortez les mecs, sortez. Il y a combien de personnes dans la cale ? Quelque chose dans l'eau. On le refait ou pas ? Il faut qu'on fasse du marchand. Oh, il y a une île là aussi. Sortez les rames. Ah, y en a une qui est restée. Archer, réparez-vous. C'est qui ça? C'est qui ça? Bah oui, bah oui, merci. Préparez-vous à tirer. Allez. Très bien. Comme sur les navires marchands. Parfois. Avec la voile. Attention, on passe. Alors, fais voir un peu cette île là. Ah, on peut repêcher ça. Voilà l'île. Je devrais envoyer Icaros reconnaître les lieux. Il repérera ma cible. Tu sais quelle direction suivre, même de nuit. C'est impressionnant. C'est un art, ma belle. Mon père disait que si Nyx est aveugle, il faut chercher Icaros. Mon père aussi, il est sur la mer? Non, il était potier. Mais il était capable de voir de la lumière brilleux. Dans ce cas, tu tiens de ton père. Comme nous tous, que ça nous plaise ou non. Ça marche. Préparez-vous à l'amarrage. Donc on a trouvé. C'était pas du tout où je disais, c'est bien. Voilà. Merci. Détail. Ah ouais, on voit qu'il y a... Putain, mais c'est... Je me demande s'ils sont pas regardés un peu Metal Gear Solid 5, là, genre avec voir, analyser les gens, voir leurs skills et tout, pouvoir les prendre et tout pour les faire travailler à la Mother Base. C'est la même chose, hein. Je veux pas dire, mais c'est exactement le même système. MGS5 est sorti avant. Je dis pas qu'ils ont copié, hein. ils sont vraiment... je pense qu'ils ont pris... vous m'avez compris. Je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Ils se sont inspirés, voilà. Oh là là. On peut trouver un mot. Alors, fais voir toi, comment je peux te choper? Genre sans te tuer.
Comment ça marche? Alors, fais voir. Recrutement de lieutenant. Recrutez les gens pour en faire des lieutenants à bord de votre navire. Utilisez les dégâts d'aptitude de perte de conscience pour calmer un ennemi avant de lui demander de rejoindre votre équipage. Assommé. D'accord, donc faut juste faut juste le faire une fois en fait. Recruter. Mon navire a besoin de marins comme toi. Viens avec nous. Ah, c'est vraiment... une bonne recrue pour l'équipage. Ah, c'est vraiment le même système que MGS5, quoi. C'est recruter violemment. Alors, affectation des lieutenants. Mais ça, on l'a déjà fait, ça. Engagé, affecté. Okay, je vais voir. Donc, lui, on a gagné, lui. Donc, 3% de dégâts de flèche, ça marche. Bon, là, nous, on a blindage, santé de tous les lieutenants, récupération intégrée de navire après abordage, 3%. Ah, c'est pour ça qu'on a ça, ok. On a ça, je me demande si ça vaut le coup. Maintenez pour tirer des flèches enflammées, RB pour lancer des javelots enflammés. Ouais, c'est pas mal les trucs enflammés. Ah, on a assez. Voilà. 4 segments de potentiel incendiaire disponibles. On va rendre, je les aime pas trop en fait. J'ai une force égyptienne d'élite. Les affranchis. Ouais. Non, mais j'aimais bien en fait celle-là. Enfin, l'équipage pour le moment, ils sont pas top top quoi. Ils sont pas trop hostiles, mais bon. Ok, du coup, on peut partir, mais. Mais on va s'amuser. Ils ont pas vu qu'un navire avait accosté à côté quand même. Combien de flèches? Ben, ça va. Alors attends, est-ce que je pourrais tester mon truc? Fait pas beaucoup de dégâts par contre. Toi t'es quoi toi? Archer. Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut recruter encore? Homme de main. Ah mais je sais pas ce que ça veut dire par contre les skills. Toi t'es bateau toi. Alors, est-ce qu'on peut leur sauter dessus en assassinat, là, mais les assommer à la place? Oh ouais, bravo. Dans le feu, quoi. Vas-y, va dormir, le chien, ici. On peut assassiner les chiens. Là, tu vas mourir. On peut assassiner les chiens. Reviens ici tout de suite. La dague fait pas énormément de dégâts, mais on tape plein de fois. Faudra utiliser ça pour, je sais pas, genre poison ou des conneries comme ça. Après, ça permet d'augmenter, je pense. Ouais, non, ouais, l'adrénaline assez vite, je crois. Bon.
non, c'est bon, on se casse. Dormez. Je l'ai trouvé. Bien. Cet homme fera une recrue de choix. Est-ce que ça suffira? Ne t'en fais pas. Nous aurons des tas d'occasions de recruter des gens par la suite. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Nous devrions voguer vers Mégaris. Une longue traversée peut être agréable, mais les nôtres sont parfois agités. Maintenant, on a ça. Un peu d'animation. Mon tableau d'affichage est là-bas. J'y note tout ce qui peut être intéressant pour un capitaine précieux. Ouais, maintenant on a les fournaises. Navire spartiate. Très bien. Aptitude. On a un point. Donc on avait pris ça. J'ai toujours pas testé. Ah, peut-être que je le teste à un moment ou à un autre. J'ai l'impression que ça, je vais jamais le tester en fait. Enfin, je vais jamais penser à l'utiliser. Donc je sais pas, voir que je me force. Alors. Ça c'est. Maîtrise des flèches, aptitude de chasseur. C'est passif? Emploie des flèches incapacitantes pour assommer les cibles au lieu de les tuer. Fabrication de ces flèches dans l'inventaire. Ah d'accord, on peut les changer les flèches en fait. Ça serait, c'est des flèches qu'on crée, on débloque. Intéressant. Les ennemis sont intoxiqués lorsque leur jauge de poison est remplie. L'intoxication inflige des dégâts prolongés, réduit les dégâts que cause l'ennemi et son armure. Oh, c'est pas mal en fait. Application de dégâts toxiques sur les uns au corps à corps et flèches ordinaires pendant 15 secondes. Ça peut être pas mal. Je crois qu'on va attendre encore un peu. Parce que là, c'est quoi? Niveau 10, on est 8. J'ai envie d'attendre encore un peu, voir si on n'a pas des meilleures habilités qu'on peut débloquer. Ou alors, genre, augmenter celles qu'on a. Et pour le moment, je vois pas trop de choses qui pourraient m'intéresser. Donc on va attendre. Personnalisation visuelle. Bonne apparence, oui. On va récupérer ça. Chasse. Ah, chasseur. Ouais, mais assassin. Enfin, assassin, c'est toujours très décuplé parce que c'est des critiques. Enfin, c'est, oui, c'est des gros dégâts. Donc à la limite, on tirera plus. On fera plus mal avec la. Avec l'arc, guerrier, dégâts des soldats athéniens. Dégâts sur soldats athéniens, c'est pas mal ça. Bon, on va repasser à l'épée. Pour le moment, on n'a pas trop le choix de toute façon. On prend ce qu'il y a de bien, c'est tout. Ça, c'est les différents types de flèches, j'imagine. Du coup, ça, c'est bien ça. Ça regarde rapidement. Stade détaillé. Ouh. Adrénaline par coup et tout. Ouh, c'est bien ça. Alors, 10, 8 primes sur navire spartiate. Mais je sais pas les reconnaître. On va se concentrer un peu sur la quête principale. Fureur de Poséidon. Ah oui, on avait. Oui, j'ai vu qu'on avait débloqué ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire ou pas? Alors, l'amélioration des brasiers a débloqué de puissantes attaques incendiaires pour votre navire. Les attaques ordinaires permettent d'accumuler les potentiels incendiaires. Vous pouvez effectuer des attaques incendiaires avec des flèches enflammées et chapeaux enflammés. Déparez, capitaine. Ouais. J'ai besoin d'archers. Ouais, je vais voir ça un peu. Genre, c'est un truc sous l'eau ou.
téléphone. Il y a un truc, il y a des trucs sous l'eau. Ouais, mais... Oui, voilà, oui, c'est bien ce que je pensais aussi. On balance quelqu'un à l'eau. Il est vachement loin en fait. Ça va être trop lourd. Qu'est-ce que je peux tirer comme ça avec ça? Je crois pas que ça, on peut. Non, on peut pas diriger en fait. Je sais même pas si ça marche. Putain de merde. Ah! Yes. Lucas. Ok. Repérage. Il monte un peu. Ça a l'air d'être ok. Honnêtement, je suis pas super confiant de descendre. Après, il fait nuit en plus. Vas-y, fais-moi peur. C'est loin ou pas? Ça devrait aller. Bon, allez, on se bouge le cul. Il y a un truc derrière moi. Tout va bien. Ça va, ça va, ça va. Evnek, venez m'aider. Je suis pas à l'aise dans l'eau. Il y a personne qui prend le rien. Oh là 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 là. Je passe pas sous le bateau non plus. Ouh. Oh. Pas mon truc le plus kiffant que je viens de faire, hein. Putain. J'aime vraiment pas ça. Merci à Thalassophobie, quoi. Ok, on a une nage de cérémonie. C'est pas mal. Mais bon, enfin, c'est des grosses armes, on s'en fout, nous. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre?
des bottes niveau 9. Et on a récupéré ça du coup. Figure de proue aigle. Les ennemis paniquent comme une bande de rongeurs face à un navire abordant un aigle comme figure de proue. Bien joué. Alors un peu. Ah c'est stylé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Ah mais non, on doit aller là-bas. Ils sont trop puissants. Il faut partir. Oh, replie la voile! Comment ça, ils sont trop puissants, il faut partir? Mais que me racontes-tu? On vient en paix, c'est un port. Ok, peut-être pas là. Bon, ça va, on part. Plus de vitesse. Ça, c'est naviguer. À la voile. Wow. Tu cherches à finir dans une assiette, toi. Ah, il y a Athéna. La chouette, c'est Athéna, non? Attention, on passe. Voilà, on est sûr que... La guerre a transformé le monde. On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens, ce sont des bandits et des pirates. Les dieux nous gardent. Ça marche. Vite ! Allez, à plein les Athéniens, ils ont bloqué l'entrée de la baie. Faut que j'apprenne la distance par contre. Archer, soyez prêts à tirer. On tire les flèches de feu automatiquement du coup bah. Je sais pas si c'est vraiment bien d'aborder, mais j'ai l'impression qu'il nous laisse tranquille en fait. Quand on aborde. Wow. Les autres ils regardent. Ah, regardez! Oh non! Nos copains ils se font défoncer, c'est cool! On a du vite! Il faut que tu te dépasses! Ah la gare! Ils vont nous déprôner! Envoyez les lords! Ils étaient allez! Ah, ils ont éprôné les potes! On va rentrer comment? Ah, ça y est, on a les flèches de feu.
droit, on est tout le tire des flèches de feu. J'ai pas trop compris en fait. Ok, je crois que j'ai compris. C'est la petite gâchette en fait. Ouais, c'est la petite gâchette. Bon, l'autre bateau il a coulé, on a mis trop de temps. Oh la vache. Il nous faudrait du soin honnêtement. Ciao. Le mec s'est suicidé. S'est jeté, il a dit ah, moi je fais comme si je suis tombé. Genre comme si elle m'avait balancé à l'eau. Je fais comme si elle m'avait tué, je me balance à l'eau moi-même. Ce mec était drôle quoi. C'est comme ça, je vais peut-être m'en sortir du coup. Putain la classe. Ah c'est ce qu'il fallait faire de toute façon à l'époque. Hein. C'est la vie ou la mort, t'inquiète pas que si t'avais de la chance de pouvoir échapper, on se casse. Hein. Par contre on a eu ça, c'est bien ça. C'est mieux. Dégâts de guerrier donc ça c'est cool. Et assassin 5%. Lame lourde, on n'utilisait pas de toute façon, et guerrier, on perd guerrier, mais on gagne assassin et on gagne de la défense et tout ça, c'est top. Ça va? Tu veux de l'aide ou pas? Non. Ah, il y avait flèche ordinaire. Non, j'ai pas tiré. On peut peut-être récupérer des flèches sur les bateaux. Ça, niveau 8. Pourquoi faut que celui-là il soit aussi loin quoi de coffre? Oh mon dieu, mais c'est sous l'île. Peut-être une entrée en fait pour une grotte. Moi je suis curieux si on peut pas les utiliser. Si on peut pas les utiliser pour tirer, pour prendre un abordage les îles en fait. Je suis curieux de ça. Île des pirates. Ok, on va faire une sauvegarde, plus de calme. Le lieu sera bien défendu. Quoi ça? Ah, okay. Ça s'appelle de la torture. Ah mais il y a Locke qui regarde. Commence à devenir agaçant. L'argent est prêt.
Vas-y, prends pas ici. On est dans la merde. Ça. Tiens. Un autre. Mec qui court, mais je crois que c'est le civil. Je pouvais la balancer dans l'eau, mais... Bon bah ça va. C'est plus ou moins bien passé en fait. Ça. J'ai perdu quelques flèches. Mais... Oh ouais, on vient d'en gagner 5. Cool. Pectoral en argent. Niveau 9. Parfait. Alors attends, parce que... Il y a quand même un truc sous l'île. Hein. Je suis pas super fan. Bon après les oies sont pas extrêmement profondes de ce côté, ça m'étonnerait qu'il y ait des bestioles. Il n'y a pas une aide, genre, pas une aide, un indice. En fait, sur où plonger. Ah bah oui, ça. Ça. C'est des requins, ça. D'accord, c'est des requins, ça. Ouais. Il m'aurait étonné aussi qu'il y ait strictement rien. Comment... Pas exactement où faut viser en fait, parce que vu qu'il bouge. Putain de merde, c'est la merde. Hein. Ouais. Je pense qu'on est bon.
Par contre, c'est méga profond. Moi, perso, je suis pas fan. Hein. Pas fan des fonds marins. Donc, c'est chaud. Et zéro prise d'air. Je crois que ça se fait que ça soit lumineux comme ça. On est d'accord que... Il y a Chana qui me disait c'est pour LED en fait. C'est de LED. On est d'accord ? C'est ça ? Oui, ça va, on y va, on y va, on y va. On y va. Putain. Je pense aussi, hein, parce que ça m'étonnerait que ça soit du popping ou quoi que ce soit. Hein. C'est ça. Hein. C'est juste un peu étrange qu'ils aient fait ça. On n'a pas vraiment besoin, j'ai envie de dire. Par contre, je crois qu'on a récupéré des trucs bien. Bon, ça, c'est l'armure qu'on avait récupérée sur la plage. Plus 28 de dégâts du coup. Niveau 8. Pas mal. Et du coup on a gagné ça. Donc on a figure de proue, c'est un lion. On va garder l'aigle. Enfin, honnêtement, un truc comme ça, et si on fonce sur un bateau, enfin sur un navire, avec ça, mais laisse tomber, le truc qui casse en milliards de morceaux. Transforme-les en torche, capitaine. Ouais, ouais. Ah, vos flèches ! Et comment on fait les javelots enflammés ? Comment on fait les javelots enflammés ? Navire. Alors maintenez LT et RB pour tirer. Enfin maintenez LT plus RB pour tirer des flèches enflammées. Donc oui, ça oui, c'est la petite gâchette au lieu de la grande pour tirer des flèches enflammées. Et après appuyez sur RB pour lancer des javelots enflammés. 3 segments, 4 segments d'incendie, 8% accumulation d'incendie. Tir de projection enflammée, le feu maîtrise sur la durée d'incendie à cible. Ceci consomme des segments de potentiel d'incendie. Appuyez sur RB pour lancer les javelots enflammés. Ah ok, d'accord, directement en fait. Il brûle, il brûle. D'accord, ok. Ça c'est les normaux. Et du coup, ça serait les enflammés, d'accord, ça marche. J'ai capté. Par contre, on peut pas arrêter de viser avec les javelots. Alors que les armes... Ouais. C'est bizarre leur système, mais ça va, ça faut juste apprendre. En tout cas, on va s'arrêter là. Elles arrêtent pas de chanter, c'est prise de tête quand même. Mais, on peut aller se balader là. Tableau d'affichage en plus. On peut aller se balader là, nous, je sais pas où on doit aller. Ouh, il y a Herménos, il est par là apparemment. Niveau de prime. Crime commis, envoi de navire par le fond, meurtre. Ouais, c'est pas faux. Lieu non découvert, île de Tisvi. Ah mais c'est la ville qu'on est, l'île qu'on est passé. Ah mais c'est pas l'île qu'on a récupéré le mec au final. Chemin dangereux. Femme respectable cherche de l'aide des drachmes à qui il lui apportera. Faire attention parce qu'on a des quêtes, des primes et tout ça, ça peut être de très haut niveau, on a un peu de tout là, donc c'est un peu dangereux. Ouais, on peut faire ça, on peut revenir en arrière et faire ça, niveau 10, après prime de navire spartiate, je sais pas à quoi il ressemble.
Contra, tuer des brutes spartiates. Bon, pourquoi tuer des spartiates, quoi. Et après, on a la quête principale. Ouais, nous, on doit arriver là. Mais on peut se balader ici. Je dirais pas non pour revenir en arrière un peu, pour s'amuser. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Honnêtement, le jeu est cool. Le jeu est vraiment cool. C'est un très très bon moment dessus. Et on va continuer ça. Donc, à la prochaine. Elle vous dit à la prochaine aussi. Ciao.